Eh bien, bonjour à tous et à toutes les amis, c'est la team Lucien. Aujourd'hui, on se retrouve pour une vidéo sur Minecraft 1.7.2 pour vous donner une bonne nouvelle sur la chaîne, car Sichland rouvre ses portes depuis maintenant une semaine. Mais pour le moment, c'est assez privé parce que l'IP n'a pas été transmise à tout le monde, enfin, surtout aux administrateurs. Donc là, on n'est que deux à travailler sur le serve, on était tout à l'heure 5. Bref, donc il y a eu des changements. Car quand Sichland a rouvert, déjà tout d'abord un nouveau texture pack spécial pour Sichland que j'ai fait moi-même. J'ai certaines textures que j'ai récupérées de certains texture packs, mais par exemple tout ça c'est moi qui l'ai fait. Donc les armures sont assez spéciales, par exemple le diamant c'est de l'émeraude, le fer c'est en bleu. Et assez spécial, l'or en violet. Voilà. Les épées, voilà, que j'ai fait aussi. Qui sont assez bien. Regardez, je vous les demande vite fait. Voilà. Et donc je vais vous présenter dans cette vidéo ce qui a changé. Je vais vous donner l'IP. Enfin, elle est dans la description de toute façon. Et je vais vous la donner à la fin de cette vidéo. Enfin, je vais vous la donner tout de suite. D'ailleurs, c'est sichland.serveminecraft.net. Donc il n'y a pas de port. Donc, en descendant, c'est de nouveau la même chose. Alors, Sichland, pour ceux qui connaissent pas, c'est un serveur limite RP où c'est vous qui gérez votre vie. Donc, vous pouvez avoir un métier. Voilà, ici, avoir un métier, donc architecte ou gladiateur. Ensuite, là, on a autre chose. Donc, la salle du spawn qui a légèrement changé. On a un nouveau monde ressources. Le constater, on a un nouveau monde ressources que l'Orio 24 m'a aidé à faire. Ensuite, il y a des portails qui sont pas terminés mais qui sont en cours de finition. Donc j'ai amélioré le à ce niveau là j'ai amélioré. Donc là vous pouvez constater le texture pack pendant que je joue. Donc ici j'ai amélioré un petit peu. Voilà, j'ai rajouté de la verdure parce que c'est vrai que ça manquait un peu sur ce serveur. Vous pouvez voir des beaux tableaux 64x64. Par la suite, il y a Jérém est en train de s'occuper des métros. D'ailleurs, je suis un petit peu en train de l'aider. Ensuite, je vais vous montrer premièrement le village que NS est en train de créer qui s'intitule NS Land. Donc, je vais vous le montrer tout de suite. Là, vous voyez des panneaux suivre NS Land. Donc il y a quand même pas mal de changements. Par contre, oui, c'est vrai que 1.7.2 c'est assez vieux. Vous pouvez quand même vous connecter en 1.7.5 hein, pour ceux qui savent. Mais on va essayer de faire passer le serveur en 1.8, voire en 1.8 déjà, ce serait déjà pas mal. Donc, Inestland, on y arrive bientôt. Donc là, il y a le labyrinthe. Voilà, Inestland, bienvenue au Inestland. On y arrive bientôt. Alors ça c'est un PVP mais qui sera sûrement pas utilisé. On y arrive bientôt. Je vous donnerai aussi dans la description le lien pour télécharger le texture pack. Je vous montre. Ah voilà, donc quand on fait inventaire. Un pack de texture, voilà, Sichland pack. Donc la mairie. C'est là où vous pouvez notamment visionner le nombre d'appartements. D'ailleurs, il l'a enlevé. Il y avait ça tout à l'heure. Donc ça, c'est juste une mairie qui n'est pas finie tout à fait. Et là-bas, on a un bel appartement que j'ai aidé à faire. Je vais vite fait vous montrer ça. Donc ici, on a un escalier. Et on a aussi, grâce au plugin Lift, la possibilité d'aller aux ascenseurs. Donc moi je vais vous montrer, j'ai déjà, Enes m'a donné l'autorisation d'acheter un appartement. Donc voilà le mien. Donc vous pouvez mettre les panneaux private hein, sur ce serveur, je vais vous montrer vite fait. PL. Voilà, donc ça c'est mon appartement. À vous le custom après, enfin vous pouvez pas vraiment vu que... pas donc. Ensuite je vais vous montrer celui de Anthony. Donc pour le moment il n'y a pas vraiment de nom.
Alors par contre, au niveau des sons, j'ai mis du BDCraft. Et je crois que je me suis trompé. Il va falloir passer par là-bas. Je fly justement pas parce que... Pour vous montrer un petit peu la ville. Si je m'en souviens bien, je crois que c'est par là-bas. Ouais, je crois que c'est ça. On va passer, on va prendre le métro pour vous montrer vite fait ce que Jérém m'a aidé à faire. C'est surtout moi qui l'ai aidé et puis... Comme ça, vous devriez connaître. Voilà, donc village Didi, c'est par là-bas. On va peut voir une petite carte. Il faut juste attendre que ça arrive. Il y en a énormément des métros sur ce serveur. Voir les textures qui sont pas mal. Ça arrive. C'est parti. Donc le temps qu'on y aille, j'ai pas grand chose à vous dire. Hein, juste le fait qu'on est assez content de rouvrir le serveur. Il y a toujours le Canada, hein, le monde qui est juste à côté. Enfin, c'est une sorte de ville qui est à côté de Sichland. Et il y a deux nouveaux villages, donc celui de DJ Crafter et celui de Enes. Et voilà, on est arrivé. On arrive au village de DJ Crafter, qui est en cours de construction. Donc les deux villages que, les deux villages que je suis en train de vous présenter là, c'est des villages où il y aura donc, notamment l'appartement de Enes. Ce sera des appartements à vendre. Par exemple ici, alors après j'ai pas encore Anthony n'a pas tout à fait terminé. Donc il me dira quelles maisons sont à vendre. Donc voilà, il a c'est pas terminé, il est en train de faire une sorte de moulin. Donc voilà, donc ce sera des maisons à vendre, plus ou moins chères. Je pense que c'est Anthony, vu que c'est des maisons, ce sera un peu plus cher. Mais chez Enes c'est bien aussi, vous voyez. Donc voilà, je pense que le reste vous avez déjà vu si vous êtes déjà venu sur le serveur. En tout cas, moi je vous conseille vraiment ce serveur qui est un serveur, donc je le répète, RP avec du PVP, monde ressources. Bon, Jérémy AFK, donc. Voilà, il y a des portails qui sont pas terminés. Le shop qui est en construction au NSLand, arène PVP pour les 24 s'en occupe. Les défis, je vais le faire. Et là, il y a les règles qui sont pas terminées tout à fait. Donc voilà. En tout cas, ce que je peux vous dire, c'est que le serveur, en tout cas, ne bug pas pour le moment. Il était... Ok, ça c'était la dernière fois avec Lucas. Je vais les laisser si vous en voulez. Si vous venez sur le serveur, ça veut dire que vous serez les premiers à venir. Voilà. Donc mesdames et messieurs, c'est la fin de cette vidéo représentation de Sichland. Donc n'hésitez pas à vous abonner, commenter, partager, liker et voir de dernières vidéos. Sur ce les amis, je vous dis à plus et à très bientôt. Allez, bye bye.